Créer une monade, il te faut 20 ans pour arriver génétiquement à te dire cette famille-là va me sortir des taureaux et cette famille-là va me pas en sortir. Donc on a eu quelques temps forts, ben, parce que la chance qu'on a eue, c'est que en achetant des vaches à Laurent et des vaches à Mayan, comme on les a achetées pleines, on a de suite travaillé avec des taureaux qui étaient intéressants. D'accord. Et suite à ça, moi j'ai fait ma propre mayonnaise. Et ta propre mayonnaise, quand tu l'as fait, eh bien, il faut qu'on tienne entre 15 et 20 ans. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à sortir des bons taureaux, 20 ans après. Alors on va fêter ces 20 ans parce qu'il fallait à tout prix qu'on les fête. Et je serai entouré de tous les amateurs qui travaillent, mais qui sont passionnés pour cette manade. Et surtout entouré de mes enfants qui m'épaulent énormément. Parce que j'ai prévu que les anciens rasetteurs viennent, parce qu'il ne faut pas que j'oublie non plus que j'ai tenu la tenue blanche pendant 20 ans. Ah, mais ben, on va les trier de bonne heure le matin, parce qu'on a quand même 8 taureaux en ligue, plus 2 taureaux pour l'école taurine, parce que j'ai souhaité qu'il y ait l'école taurine de rouvert ce jour-là. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on aura trié ces 12 taureaux, parce qu'il y a mes deux Simbeaux dedans, on viendra débarquer. Après, on ira récupérer tous les chevaux de la manade. Et on fera une petite haie d'honneur avec les gardiens de la manade qui méritent d'être à cette journée et d'être mis en avant, parce qu'ils font un travail dans l'ombre, on va dire, toute l'année. Et eh bien, ensuite, on fera une petite haie d'honneur. Et avec Vincent, Camille et moi, eh bien, on passera cette journée extraordinaire.